Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site bienbuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous communiquer des pronos buteurs. En fait, vous communiquer la liste des buteurs susceptibles de marquer dans la semaine 20. Donc c'est la liste semaine 20. Je vais vous dire en fin de vidéo comment vous allez pouvoir récupérer cette liste. En attendant, n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube, hein, vous avez le prono d'aujourd'hui. 3 matchs, Aston Villa, Everton, Valladolid, Villarreal et Bar Betis. Et vous avez une vidéo unboxing où je vais bientôt déballer des maillots qui ont été commandés. Voyez, visitez le site de ce futur et éventuel partenaire. Dites-moi si le maillot qu'il vous plairait est présent dans cette boutique. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire et vous êtes susceptible, lors du déballage de la commande qui a été effectuée dans cette vidéo, je tirerai au sort parmi tous ceux qui auront mis un commentaire sous cette vidéo et évidemment spécifiant le maillot qui les intéresse. Voyons voir la liste des buteurs. Donc c'est pour une personne qui découvrirait cette vidéo. Donc en fait, j'ai déterminé en fait en vue de mettre en place une stratégie pour valider les paris buteurs. En fait, j'ai listé l'ensemble des buteurs. D'ailleurs, je vous ai dit des bêtises dans les vidéos précédentes. C'est que là, en fait, ce ne sont pas le nombre de joueurs qu'il y a dans chaque ligue, ce sont évidemment le nombre de joueurs ayant marqué au moins un but dans cette ligue-là. Évidemment, il n'y a pas les gardiens, il y a des joueurs qui n'ont absolument pas marqué de but, donc il y a beaucoup plus de joueurs. Bon, ce n'est pas grave. Donc, en fait, voilà, la liste, ben, il y a tout simplement hein, la ligue, le joueur, l'équipe, le nombre de buts marqués, le nombre de matchs joués, le nombre de buts par match. Donc Lewandowski a quand même un ratio assez élevé. Le temps de jeu de ce joueur, ça nous permet de constater qu'en fait, il marque un but tous les X minutes. Là, on a la date du dernier but de Lewandowski, par exemple. Et puis, de par ces données, on détermine qu'en fait, le prochain but serait dans 0,69 matchs, donc ben, dans le match suivant. Et on sait, alors ça c'est une donnée que je prends manuellement, malheureusement, c'est un travail de fou en fait. J'ai passé ma soirée hier en regardant le match à faire ça. Je vais vous montrer pour ceux, parce que j'ai fait que le top 50. Parce que c'est vraiment un boulot de dingue. Ceux qui voudraient compléter, qui seraient intéressés par des buteurs qui ne seraient pas sélectionnés, je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc là, en fait, il vient de marquer le 8 mai. Donc, bah, entre le temps de jeu et le dernier but, il reste, je détermine que effectivement, ça fait 24 minutes qu'il a plus marqué. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Pour ceux qui seraient intéressés, donc on va prendre la Bundesliga. Je le fais en fait avec Flash Result. Hein, voilà, vous prenez le classement, vous prenez le top buteur. Et vous voyez, vous avez Lewandowski. Donc là, vous cliquez sur Lewandowski. Il vous donne effectivement tous ses derniers matchs. Il vous donne le temps de jeu et il nous dit le nombre de buts. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai déterminé? Ben, j'ai pris le dernier match, tout simplement. Et je sais qu'il a joué 90 minutes et il a marqué le dernier but à la 66e minute. Donc 66 moins 90, vous êtes bien d'accord avec moi, ça fait 24 minutes qu'il n'a plus marqué. Ok? Donc voilà pour le tableau. Donc c'est pour ça que j'ai mis 24 minutes. Et ainsi de suite pour l'ensemble des buteurs. Donc vous voyez, c'est un boulot de dingue. Hein. Donc voilà, alors on va voir d'abord les résultats de la semaine 19. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais proposé 6 buteurs. Ibra n'a toujours pas marqué. Il y a Moreno qui a marqué, donc ça c'est bon. Il y a Benzema qui était rentré dans la course parce qu'en fait, maintenant il a un temps de jeu sans but marqué de 320 minutes. Et donc ça commence à faire énorme. Donc la semaine 19 c'était aussi important puisqu'on sait que Benzema normalement marque tous les 132 minutes
Donc voilà, il est bon à prendre. Suarez, c'est pareil, c'est totalement anormal. Donc la semaine 19, on l'avait pris et ils ont joué hier. Donc je devais vous donner la liste, soit... Bon, le lundi, ça me semble difficile, mais au plus tard le mercredi, bon là, j'ai eu quelques soucis. Et puis j'ai dû faire des vidéos supplémentaires et j'ai perdu un petit peu de temps. Et puis j'ai dû m'occuper un petit peu de relations avec les partenaires ou les futurs partenaires. Vous allez voir dans les semaines à venir. Et puis, je vous avais dit, hein, Lukaku, moi pour moi, je vous avais dit oui. De le prendre, mais en commentaire, et je l'ai dit dans toutes les vidéos suivantes, hein, n'allez pas me dire que je suis un tricheur ou quoi que ce soit. Lukaku, je vous ai dit de ne pas le prendre parce que, réflexion faite, l'Inter, il faut absolument que les équipes pour lesquelles vous prenez des joueurs ont encore quelque chose à jouer. Parce que je pense que Lukaku, bon voilà, il a fait le job. L'Inter, ils ont fait le job. Voilà, ils sont champions de Serie A, il n'y a pas de souci. Donc, ils n'ont plus rien à jouer. Donc là, je pense qu'ils vont se faire plaisir. Ça ne veut pas dire que Lukaku ne va plus jouer du tout. Ils vont se mettre en jambes. Mais il faut se retenir pour l'Euro parce que là, franchement, d'être blessé pour Lukaku, non, évidemment, là, il a que en tête l'Euro maintenant, vous voyez. Donc il ne faut pas faire les fous. Et puis, l'Inter n'a plus rien à jouer. Donc bon, voilà, ça va jouer détendu. Moi, honnêtement, je serais compté. Je ferais tourner, je ferais jouer les jeunes. Tous ceux qui n'ont pas joué, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, d'essayer autre chose. Voire peut-être aussi avec l'équipe type, essayer d'autres dispositifs tactiques. Voilà, moi je franchement, si je serais un entraîneur, je ferais des choses comme ça. On a en Bundesliga Kroos, Union de Berlin, donc c'est intéressant encore de le prendre parce que ils vont jouer pour la Ligue Europa. Hein. Donc je l'avais sélectionné, il n'a pas marqué. Et puis Fernandez de Manchester United qui a marqué. Donc deux gagnants sur 6. Ça va être pas lourd quand même, et ça va être difficile quand même hein, d'être rentable, mais bon, il va falloir mettre des stratégies. Le problème, c'est que moi, une stratégie, pour la valider, il me faut 100 à 500 échantillons. Donc si j'attends 100 semaines, ça va faire qu'on va jouer que dans 3 ans. Donc bon, je vais essayer de regarder, voir un petit peu l'antériorité. Moi, ce qui m'intéresserait aussi d'avoir une donnée, c'est par exemple, là, par exemple, vous avez Ibra. Voilà, ça fait 384 minutes qu'il a plus joué, qu'il n'a plus marqué. Donc, est-ce que cet écart, quel est son écart type, mais quel est son écart maximum aussi? Combien de matchs a-t-il joué ou minutes consécutivement sans marquer de but? Est-ce que ça s'est déjà répercuté dans le passé? Donc ça serait une donnée qui serait intéressante pour être au mieux sur notre choix. Donc je ne vais pas vous tarder plus longtemps. Je vais vous donner la procédure pour récupérer le logiciel. Enfin, c'est pas le logiciel, le fichier hein, dans mon drive. Par contre, je vous donne quand même pour la semaine 20. Donc, qu'est-ce que je sélectionne? Bah, quatre buteurs. Je pense qu'Ibra, ils ont encore des choses à jouer. Donc, il est susceptible de jouer. Bon, il a pas joué le match précédent. Il y a Benzema. Bon, voilà, je pense que Madrid a encore des choses à jouer, donc il y a des fortes probabilités que ce joueur marque. Suarez, il faut quand même compléter, il faut pas lâcher, hein, il y a encore les derniers matchs, donc il est susceptible de marquer. L'Union de Berlin peut jouer la Ligue Europa, donc il est susceptible de marquer. Donc je vous proposerai que ces quatre-là. J'ai mis un point d'exclamation sur certains, parce qu'en fait, ils ont dépassé largement le temps normalement où ils devraient marquer et le temps de jeu actuel. Donc là, je prends par exemple Caputo, qui normalement marque un but tous les 180 minutes pour Sassuolo. Et là, ça fait 235 minutes de temps de jeu. Donc il est susceptible de marquer. Ok, donc regardez, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez pris, ce que vous comptez prendre, et puis je fais appel aussi à vous, car je ne sais pas par quel moyen, bon je pense que je vais prendre une API avec les buteurs et surtout les cotes, parce que j'ai mon fichier où j'avais fait mon relevé de cotes, c'est envoyé en l'air et je n'arrive plus à le rattraper, il est présent mais... Il est bloqué, je ne sais pas, les données n'apparaissent pas. Le fichier est un peu erroné, il a été un peu abîmé certainement. Je n'arrive plus à l'ouvrir du tout.
Donc bon, c'est pas grave, je vais voir. Au pire, peut-être que je demanderai aux gens de NetBet s'ils peuvent m'aider à récupérer au moins les dernières semaines les données buteurs. Mais je pense que je vais investir dans un API football où il y aura les buteurs à l'intérieur avec les cotes. Alors pour récupérer le fichier sur mon drive, comme d'habitude, hein, je tapais qui n'a pas changé. Donc vous tapez linka.us/buteur16 et un mot de passe vous sera demandé. Donc c'est buteur. Et à l'ouverture du fichier, un autre mot de passe vous sera demandé. C'est aussi buteur. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. Et puis n'oubliez pas de participer. Hein, je vais bientôt faire sur la chaîne hein, l'ouverture du colis que j'ai commandé. Visitez la boutique et regardez s'il y a un maillot qui vous intéresserait. Dites-le-moi en commentaire et je vous participerai au concours, un tirage au sort le jour du déballage de la commande que j'ai faite. Voilà. Allez, bon match et à bientôt. Merci.